Justice pour débuter ce journal. Guillaume de Villiers ne sera pas renvoyé devant la cour d'assises. C'est ce que vient de décider la cour d'appel de Lyon. Le fils de l'eurodéputé Philippe de Villiers comparaissait pour viol aggravé sur la personne de son frère cadet, Laurent. Des agressions qui auraient été commises entre 1994 et 1997. Même si un recours est encore possible, l'avocat de Guillaume de Villiers se dit ce soir soulagé. C'est la fin de 6 années de cauchemar pour cette famille. Je n'accepte pas Laurent de Villiers, d'ailleurs, qui doit souffrir du poids de ce qu'il a porté, de la plainte, du retrait de la plainte, des mensonges. Il n'est pas là aujourd'hui pour entendre cet arrêt. Ça fait 2 fois qu'on rend un arrêt de non-lieu. Ça fait 2 fois que les avocats généraux refusent de poursuivre. J'espère que cette fois-ci, il a compris.